les petits potes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le mercredi 26 décembre. Alors oui, je sais, je n'ai pas sorti de vlog depuis le vlogmas 23. Pour la simple et bonne raison en fait que je voulais profiter à fond de ma famille. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on peut réunir sa famille aussi pour fêter Noël. Voilà, donc on a profité de nos familles. Et moi j'ai mis entre guillemets les vlogmas de côté. C'est pas pour autant que du coup je n'ai pas filmé des petits passages, mais je n'ai évidemment pas filmé énormément. Du coup ce que je vous propose c'est de vous laisser avec quelques images de ce que j'ai pu filmer entre les préparatifs, les ouvertures de cadeaux, etc., etc. Donc je vous laisse regarder ça et on se retrouve tout de suite. Et on ouvre la dernière case du calendrier. Ce soir c'est le réveillon et demain il y a le Papa Noël qui passe. Alors, alors je vous explique, Liam il a plus de calendrier parce que il l'a ouvert. Donc aujourd'hui normalement il aurait dû avoir ça. Et en fait il a détruit son calendrier hier et il l'a ouvert, donc du coup on l'a enlevé. Voilà. Et Kaïda elle va ouvrir sa dernière case. C'est Lilo. Elle est toute jolie. Bon voilà, du coup on a fini l'ouverture des calendriers de l'avant. Voilà. Moi je vais continuer la préparation pour le repas de ce soir. Ne faites pas attention à mes yeux, j'ai les yeux qui sont tout gonflés. Il y a eu un petit souci. Bref, voilà. Du coup, je file préparer ce qui me manque pour ce soir. Changer aussi l'emplacement du salon parce que sinon on n'aura pas assez de place pour pouvoir mettre tout le monde. Puis après, il y aura la douche et tout ça à prendre. Voilà, on va faire ça petit à petit. Allez, c'est parti. Là, je suis en train de faire la petite salade d'endives. J'ai aussi fait un petit roulé au chorizo. Je vous montrerai ça du coup quand je le mettrai au four tout à l'heure. Je fonds dans mes préparatifs. Là, je viens de couper mon petit saumon que je vais faire revenir après pour mon gratin. Si, je vais vous montrer autre chose aussi, attendez. Hop, je mets mon petit huile d'olive dans mon saumon. On a changé toute la disposition du salon aussi. Je vais vous montrer. On a tout changé. Il n'est pas charbon. Quoi? Mais le skin, montrez-leur un nouveau skin s'il vous plaît. Ah les gars, il est magnifique. Mais ils l'auront vu déjà. Non, hein, non, ils l'ont pas vu en direct sur le vlog, regarde. Il est magnifique. Mais montre sa tête au moins. Putain, j'ai pas pris la bonne pioche en plus. Je peux pas montrer sa tête. Je peux pas montrer la tête en live. Bref, donc du coup, on a mis le canapé là. Vraiment, et la table là. Vous voyez, ça résonne un peu plus. Donc voilà. Changer la disposition pour qu'on ait plus de place. Parce que du coup, on va quand même être 6 adultes ce soir. Donc c'est quand même pas rien. Et puis voilà. Maintenant, bah, je retourne à mes préparatifs et puis je vous dis à tout à l'heure. Bon, moi j'ai fait cuire mon petit saumon avec la crème. Là, je suis en train de faire chauffer mes petits poireaux. D'ailleurs, je pense que ça va être bon. J'ai coupé aussi mes patates. Elles sont là. Du coup, je vais mettre mon poireau dessus et mon saumon et du bon gros gruyère. Ce sera prêt à faire cuire. Voilà, c'est ce que je vous disais qu'il y avait dans le frigo. C'est les petits roulés au chorizo. Donc là j'ai fait les petits à la saucisse, donc ils sont, il y en a encore une fournée qui est en train de cuire. Mon gratin est là, prêt à partir au four aussi. Je vais mettre au four pendant qu'on sera à l'apéro. Et donc du coup après il faut que je fasse cuire ça. Je pense que je vais aller installer ma nappe et ma table, au moins comme ça ce sera fait et je serai tranquille après. Coucou, joyeux Noël! Thank you.
c'est moi qui prends la relève parce que madame est en train tout simplement en train de déballer tous les cadeaux qu'on a eu. Donc on a eu beaucoup de cadeaux. Le papa Noël a été gâté. Le papa Noël nous a gâté tout simplement. Est-ce que tu as un mot à dire? Non. Pourquoi non? Fatiguée. Mais bref, on n'a pas beaucoup dormi. Moi en fait, j'étais en plein sommeil et madame m'a réveillé en me disant vite, papa Noël est passé, papa Noël est passé. Donc on a vraiment eu beaucoup de cadeaux. Donc, ils ont eu beaucoup de cadeaux, ouais, on va dire ça comme ça. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, il va falloir qu'on ouvre tout, qu'on démonte tout, qu'on range, qu'on mette les piles, etc. Ça va être le plus dur, les petits potes. Bon, je vais vous montrer, moi, pour ma part, ce que j'ai eu. J'ai eu le petit pop, ce pop-là. J'ai eu le Skull Trooper. J'ai eu le petit panda ours qu'on voulait. C'est le mien. C'est pas le tien. Et c'est celle de Madame Prisix, voilà. Et le petit lama qui fait plaisir. Et voilà. Voilà, donc pour l'instant, ce qu'on va faire, les gars, et merci beaucoup à ma maman, elle nous a offert le Google Home, mais c'est juste magnifique ce truc, c'est juste une révolution. Et puis voilà, sur ce, tout à l'heure, à la prochaine, à tout à l'heure, gros bisous et joyeux Noël à tous en tout cas, joyeux Noël à tous, portez-vous bien, j'espère que vos familles ont été heureux, j'espère que vous avez été heureux, j'espère que vous avez été gâtés, petits potes, sur ce, prenez soin de vous et puis à tout à l'heure. Spider-Man! 'espère que ces petits passages vous auront plu. Désolée encore une fois de ne pas avoir sorti autre chose avant et d'avoir que ça à vous proposer. Donc maintenant, je vais annoncer quelque chose que beaucoup d'entre vous attendent. J'aurais dû l'annoncer hier, mais du coup, enfin voilà, hein, c'est annoncé aujourd'hui, c'est pas grave. Du coup, oui, le concours que je propose moi sur la chaîne. Alors, j'ai pas envie de vous dire tout en détail ce qu'il va y avoir. C'est ce qu'il y avait de prévu normalement, mais j'ai envie de laisser la surprise en fait à la personne qui gagnera le concours. Je peux juste vous dire que pour ceux qui veulent participer, c'est en rapport avec Fortnite et on appelle ça des goodies. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est des goodies, c'est plein de choses en rapport en fait avec Fortnite, des bracelets, des colliers, des t-shirts, des sacs, des ballons, des stickers, des plein de choses comme ça en fait. Je fais gagner un lot du coup de goodies Fortnite. Voilà. Donc bien évidemment, ceux qui ne sont pas intéressés par Fortnite, bah ça ne sert à rien. Attends Liam, 2 minutes. Ceux qui ne sont pas intéressés par Fortnite, bah bien évidemment ça ne sert à rien de participer au concours parce que vous gagnerez que des choses à l'effigie de Fortnite. Maintenant, les conditions pour pouvoir participer au concours, c'est bien évidemment d'être sur le Discord. Pourquoi être sur le Discord? Tout simplement pour la bonne et simple raison que je vais poser la question pour pouvoir participer, pour que votre participation soit valide sur Discord. Une fois que j'aurai posé la question, il faudra que vous m'envoyez un message privé. Attention, je réponds, je le dis bien. Un message privé sur Discord. Il ne faut pas que vous mettiez votre réponse en vue de tout le monde, bien évidemment, sinon c'est facile, s'il y en a un qui trouve, tout le monde va trouver après. Et vous aurez forcément moins de chances, vous, de gagner. Voilà. La question, je vais vous la poser ici, elle sera bien évidemment aussi posée sur Discord et épinglée dans l'onglet concours. Et une fois que vous m'enverrez votre message privé, je réponds bien privé, s'il y a quoi que ce soit décrit en dessous de ma question, je ne prends pas la participation en compte. Il faudra m'envoyer un message privé sur Discord, donc c'est MRS et pas MR, MRS Prisix, et vous m'envoyez votre réponse sous en privé de la question. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près claire.
Je pense que oui. Désolée pour les bruits qu'il y a derrière. Il y a Liam qui est en train de jouer. On est en train de regarder la planète au trésor tous les deux aussi. Voilà. La question est, de quelle couleur est la casquette du jeune homme qui marche devant moi dans un des Vlogmas? On vous avait dit qu'il fallait regarder tous les vlogs attentivement. Certains l'ont su et ont d'ailleurs dit qu'ils avaient regardé tous les détails. Donc, on verra ça. Donc la question est, de quelle couleur est la casquette du jeune homme qui marche devant moi dans un des Vlogmas? Bonne chance, hein. Donc voilà, la question, de toute façon, je vais la reposer sur Discord. Et elle sera sûrement peut-être déjà posée avant que vous regardiez ce vlog. Voilà. Sur ce, j'espère que ce petit vlog pour vous mettre tout ce qui s'est passé vous aura plu. Ce sera le dernier, je pense, pour la série des Vlogmas. Après, je continuerai peut-être à en faire quand on fera des choses intéressantes. Quand je fais des recettes, peut-être que je poserai les recettes de mes pâtisseries, tout ça. N'hésitez pas à le dire en commentaire si ça peut vous intéresser. Voilà, sur ce, je vous dis bye bye. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.